Cœur du Marais, dans Rivière du Temple, le Petit Fer à Cheval est un bistrot parisien rétro des caractères. Le Petit Fer à Cheval est situé en plein centre de Paris, dans le 4e. Et il existe depuis 1894, à peu près 120 ans. Et ça a été racheté par un monsieur Xavier de Namur, le propriétaire, en 1989. Ouvert par la première fois en 1903, il a été une petite boutique de café du Brésil et chocolat des colonies. Aujourd'hui, c'est une place intime et distinctive. L'établissement existe depuis 120 ans. Avant, dans le Marais, il n'y avait pas beaucoup de restaurants. Il n'y avait que 2-3 restaurants, donc tout le monde connaît cette adresse dans le monde entier maintenant. Et ici, tout est fait maison, on ne fait que des produits frais. Les banquettes en bois, le téléphone des années 1950, les tableaux au mur et surtout les super comptoirs à l'ancienne en forme de fer à cheval qui donnent les noms à ces bistrots. À l'arrière, les petites tables du restaurant très serrées contribuent à créer une atmosphère unique. La cuisine, c'est traditionnel, donc la spécialité, c'est le confit de canard. Et on a en dessert, et c'est également ce qui est excellent, c'est la tarte tatin faite maison. La terrasse est pleine à toute heure des touristes ou d'habitués. On peut y manger un sandwich, des assiettes de fromage et charcuterie, des salades et surtout un super foie gras maison. Les heures d'ouverture, on ouvre le matin de 8h du matin jusqu'à 2h du matin tous les jours. Et la cuisine est ouverte de midi jusqu'à 1h30 du matin en service continu. On propose un plat du jour qui change tous les jours. Après, quand on n'a plus de plat du jour, on travaille qu'à la carte.